Eh bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes réunis de façon virtuelle ce soir pour ce conseil municipal donc de la commune d'Évron. Les circonstances sont effectivement très particulières. Je vais en dire un mot tout de suite avant de faire l'appel, puisque nous avons la double nouveauté d'être à la fois en distanciel, crise sanitaire oblige, et en même temps, pour rendre le conseil municipal public, nous sommes en direct sur une chaîne YouTube, donc de la communauté de communes d'Écoévron et de la commune d'Évron. Donc j'espère que chacun nous pardonnera de nos difficultés à utiliser l'outil ou à le maîtriser complètement le cas échéant, mais je suis sûr qu'on va arriver à assurer ce conseil, à la fois dans ses procédures de délibération et de vote. Pour démarrer ce conseil, je vais demander à Mme Gwenelle Chartier si elle accepte d'être la secrétaire de séance. Est-ce que Mme Chartier est là et est-ce qu'elle accepte d'être la secrétaire de séance? Oui, j'accepte d'être secrétaire de séance. Merci. Je vais maintenant faire l'appel. Donc moi-même, je suis présent. Mme Dejardin Adélaïde. Présent. Monsieur Maurice Suard. Présent. Mme Isabelle Dutertre. Présente. Mme Sophie Le Chagatel. Présente. Monsieur Fabrice Métairie. Présent. Madame Blandine Verdier-Carcouet. Présente. Monsieur Jean-Philippe Ménian. Présent. Madame Marie-Thérèse Breton. Présent. Monsieur Didier Jemont. Présent. Merci. Monsieur Alain Fortin. Alain, tu n'es pas là. Eh bien, on dit qu'il n'est pas là. Madame Chantal Angélium. Présente. Monsieur Jean-Pierre Marot. Présent. Monsieur Vincent Fournier. Présent. Madame Catherine Choupeau. Présente. Madame Marie-Claire Moisy. Présent. Monsieur Patrick Bertin. N'est pas là. Monsieur Christophe Noulez. Présent. Monsieur Pascal Foucault. Présent. Madame Massereau Sylvie. Présent. Madame Valérie Tabar. Présent. Monsieur Thierry Landé a donné un pouvoir à Madame Dejardin. Alors, excusez-moi, j'en étais. Madame. Alors, Thierry Landé a donné un pouvoir à Madame Dejardin. Madame Laurence Levrard. Présente. Madame Rachel Végreville. Présente. Madame Nathalie Rousseau. Présente. Madame Céline Réauté-Chapeau. Présente. Monsieur Frédéric Fanouillet. Présent. Monsieur Pierre Lecourt. Présent. Monsieur Jean-Charles Guédon. Présent. Madame Gwenelle Chartier, je l'ai citée, c'est pas la peine qu'elle se renomme. Madame Sandrine Leroy a donné un pouvoir à Madame Verdier-Carcouet. Et Monsieur Jérémy Chaperon. Présent. Merci à tous pour votre présence. Votre voix porte autant pour ceux qui ont les voix graves et porte différemment pour ceux qui ont maintenant une voix en écho. C'est la magie de la technologie. Donc le quorum est rempli, nous allons pouvoir entamer cette séance. Je vous dis un point de règlement qu'on n'a pas à faire d'habitude, que si un vote à bulletin secret devait être demandé lors de cette séance, cela nous poussera à reporter le sujet à la séance ultérieure, à une séance ultérieure qu'on pourrait faire en présentiel, car autant nous avons un système de vote à distance qui est sécurisé et identifiable, puisque les votes sont publics, donc on sait qui vote quoi sur chaque délibération. Si un vote à bulletin secret est demandé, par contre, on n'a pas les outils informatiques pour l'assurer, donc on reporterait le sujet à une séance ultérieure. Enfin, je voudrais introduire cette séance par un petit mot. On a parlé de la crise Covid qui nous mobilise beaucoup et qui fait qu'on fait cette séance de conseil municipal dans des circonstances aussi particulières. On a eu à vivre, et on n'a pas eu de conseil municipal depuis, plusieurs drames d'origine terroriste sur notre territoire lors du mois d'octobre et mi-octobre et fin octobre, puisque le 16 octobre dernier, à son dernier jour de classe, un professeur a été sauvagement assassiné, alors professeur de la Conflans-Sainte-Honorine, assassiné sur la commune voisine, suite à une journée d'enseignement, mais surtout suite à une polémique
lancé sur les réseaux sociaux. Et donc, cet enseignant a été la victime d'un acte de barbarie atroce hein, qu'on n'imagine pas pouvoir se réaliser sur notre territoire. Donc, on a ce drame a été suivi le 29 octobre suivant, donc 13 jours après à peine, par un triple homicide d'origine terroriste sur le terrain de Nice. Donc, un sacristain ainsi que deux paroissiennes ont été assassinées sauvagement. Ça prouve une chose, c'est que si sur l'ensemble du territoire, l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur religion d'appartenance ou leurs origines socio-économiques, sont potentiellement les victimes des actes terroristes, on sait que certaines professions, certaines personnes, pour peu qu'ils soient représentatifs d'une autorité publique ou de ce qu'est la France, hein, de façon plus générale, sont plus facilement ou plus fortement encore potentiellement les cibles du terrorisme aujourd'hui, qui prend de multiples formes en l'occurrence. On en est à aujourd'hui donc un nombre de morts très important depuis le début de l'année. Je vais vous demander à chacun de bien vouloir respecter une minute de silence en hommage à Monsieur Samuel Paty. Et on reprendra le cours de ce conseil municipal après. Merci à vous. Merci. Je vous remercie. Nous allons pouvoir maintenant entamer l'ordre du jour normal de ce conseil municipal. Et donc, je vous demanderai de bien vouloir. Là, vous prendrez la parole chacun votre tour. Si vous avez des questions, vous êtes sous un logiciel où une petite main apparaît qui vous permet de faire, qui vous permet de lever la main virtuellement. Donc, je ferai attention à s'il y a des questions à pouvoir identifier cette main levée. Éventuellement, si vous avez une intervention à mettre dans le chat de conversation, de discussion, eh bien, vous pourrez le faire aussi. Je serai vigilant à relayer les questions des membres du conseil municipal qui sont bien légitimes. Tout d'abord, on va entamer par l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 septembre dernier. Donc la question est de savoir s'il y a des remarques par rapport à ce conseil municipal. Non. Donc dans ces cas-là, je le soumets au vote. Y a-t-il par rapport à ce conseil municipal des abstentions ou des votes contre ? Je vous en remercie. Je passe donc la parole à, je crois que c'est Maurice qui entame les débats pour la première délibération. Merci Joël. Alors je vous présente la délibération concernant l'accord cadre de maîtrise d'œuvres urbaines pour la requalification urbaine, site de la gare et désignation des membres du comité de pilotage. La commune d'Évron a réalisé une étude prospective stratégique en 2018 afin d'identifier les projets de requalification urbaine à engager sur le territoire. Cette étude a fait ressortir un enjeu fort autour du quartier de la gare, lequel est porteur de problématiques centrales tant en termes d'accessibilité, d'attractivité de la ville et de renouvellement des constructions existantes telles que le logement et nouvelles activités. Dans cette optique, la commune a confié à la SEM-LMA un mandat pour la réalisation d'études opérationnelles en vue de la requalification du site du quartier de la gare. Pour la réalisation de cette mission, une procédure avec négociation a été organisée afin de conclure un accord cadre mono-attributaire de maîtrise d'œuvre urbaine, de l'objet sera de réaliser les études techniques nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement. Cet accord cadre sera conclu pour une durée de 10 ans afin d'assurer
la cohérence du projet urbain porté par la commune durant la première phase de sa réalisation. Études opérationnelles, création de la procédure d'aménagement, engagement des travaux et suivi de programmes de construction. Une procédure a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence le 25 mars 2020. Au regard de la situation sanitaire, les candidatures devaient être mises au plus tard le 12 juin 2020. 30 candidatures ont été reçues. Après sélection par la commission d'appel d'offres du 20 juillet 2020, 4 groupements d'opérateurs économiques ont été admis à présenter une offre. Il s'agit de l'atelier Philippe Madec, l'atelier Ruel, la société Tika Architecture et l'atelier Formasys. Après lancement de la phase offre le 29 juillet 2020, les opérateurs économiques devaient déposer leurs propositions méthodologiques et financières au plus tard le 23 septembre 2020. Tous les groupements ont fait parvenir une offre dans ce délai. Ils ont été auditionnés le 9 octobre 2020. En ce qui concerne les enjeux, après analyse des offres, audition des candidats et conduite d'une unique phase de négociation selon les conditions prévues par le règlement de consultation, la commission d'appel d'offres réunie le 16 octobre 2020 a attribué le marché au groupement représenté par la société Tika Architecture. Ce groupement est donc composé de la société Tika, architecte et urbaniste, l'ALU paysagiste, Artelia ingénierie pluridisciplinaire et SLC montage opérationnel. Leurs propositions se fondent sur les 4 principes suivants, l'existant comme ressource. La ville de demain se construit avec et pour la ville d'aujourd'hui. Un document cadre, développer et maintenir dans le temps une cohérence architecturale, urbaine et paysagère. Des moyens adaptés, réalisme spatial, programmatique, opérationnel et financier. Une histoire partagée, une démocratie participative, intégrée, qui accompagne et soutient l'ensemble du projet. Sur le sujet précis de la concertation, en réponse à l'attente forte exprimée par la ville, le groupement Tika réalisera en option les prestations suivantes, en plus des réunions publiques et ateliers imposés, 3 résidences comprenant atelier groupe projet, entretien ciblé et rencontre fortuite. 2 ateliers d'acteurs, un regard sur la ville, travail photographique par Gaëtan Chevrier, exposition photo, Évron, le quartier de la gare, un regard sur un territoire en transformation. Mise en place d'un observatoire photographique de paysage urbain, avec mise à jour annuelle de l'exposition photo. Le coût de la mission de base étude plus concertation hors option est de 113 800 euros, plaçant Tika en première position sur le critère prix. En ce qui concerne les options présentées ci-dessus, pour une concertation renforcée, cela représente un coût de 26 290 euros. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la SEM-LMA en tant que mandataire de la commune pour ce projet. A signé la convention d'accord cadre avec le groupement représenté par Tika Architecture, laquelle est conclue pour une durée de 10 ans. Par ailleurs, un comité de pilotage doit être installé pour suivre la démarche de requalification du quartier gare, qui comprend dans son emprise différents projets interférents les uns avec les autres, à savoir mise en accessibilité et rénovation des quais de la gare, édification d'une maison commune et reconquête du bâtiment voyageurs. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de désigner les membres de ce comité de pilotage, incluant un représentant de la communauté de communes, notamment le vice-président en charge de l'aménagement du territoire et du développement local. Donc, vous avez en annexe donc 2 annexes. Le PV signé par le... Que s'ouvre. Donc, le procédé de la commission d'appel d'offres, donc, qui reprend donc, ce qu'on vient d'expliquer en résumé tout à l'heure, donc,
le pouvoir adjudicateur, le mandataire SM et LMA, la procédure applicable, l'objet de l'accord cadre. Donc, le registre des présences, donc les membres composant la commission qui étaient présents, les agents qui étaient présents, la présentation de la séance par Madame Audrey Lagotrière, qui effectue une présentation des propositions reçues et de leur analyse technique et financière. La décision de la commission, après la délibération, la commission d'appel d'offres décide d'attribuer l'accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine pour la requalification au groupement TICA, que je viens d'expliquer tout à l'heure, et la signature des présents de la commission. Et la deuxième annexe. Alors, c'est le rapport de présentation de l'analyse des offres. Donc, c'est entre les mêmes personnes. Donc, il y a la procédure d'application pour le passage sur le marché, la présentation du rapport cadre avec l'objet de l'accord cadre. La durée de l'accord cadre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 10 ans. Le type de contrat, donc la présente procédure concerne la passation d'un accord cadre des services, des compositions des lots, en lot, pardon. La prestation supplémentaire éventuelle, donc là, il n'en comporte pas, il n'y a pas de prestation supplémentaire éventuelle. Donc, l'accord cadre réservé, les conditions spécifiques relatives au groupement d'opérations économiques, donc le déroulement de la procédure, la phase d'offre, les registres, etc. Donc, comment il n'y a rien de... Bon, c'est la convention qui reprend. Alors, après, vous avez la méthode de notation par rapport aux candidats qui se sont présentés. Donc, il y avait la méthode de présentation de notation sur 10 points. La pondération du classement des offres, l'analyse des offres, la recevabilité des offres, la régularité des offres et puis la négociation, la demande de précision, l'analyse technique des offres, la commission d'appel d'offres et enfin la synthèse, la notation des critères, donc c'est final par rapport au classement qui a sorti TICA du lot. Voilà. J'en ai fini pour les présentations des annexes. Avant de passer donc au vote, avez-vous des questions par rapport à cette présentation? Oui, Sophie, je te laisse la parole. Juste une remarque. A priori, il y aura un travail de fait sur un travail visuel avec un photographe dans le projet. Et du coup, juste noter que peut être intéressant aussi de... on peut se reposer sur ce projet-là comme une opportunité aussi pour travailler avec nos archives sur ce quartier-là. Il y a sûrement des visuels. Et voilà, c'est peut-être une occasion sur une journée du patrimoine de faire un focus sur ce quartier-là et de mettre en perspective nos archives et ce que ce photographe-là aura pu remarquer. Parce qu'on sait que l'œil, le regard nouveau et le regard d'un photographe, ça nous invite à voir des choses qu'on ne voit plus. On est bien d'accord, merci Sophie. Moi, je voulais noter que tu notes le côté approche photographique artistique, hein, parce que c'est une approche qui est à la fois celle d'un architecte, mais c'est celle d'un photographe artiste, puisque ce ne sont pas les architectes qui font ces photos-là, même si l'art et l'architecture sont forcément complètement liés. Mais ça fait partie des choses qui nous avaient un peu séduits, hein, quand même, dans la présentation, même si c'est de l'optionnel. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, les options. Levé d'avance, hein. Le travail optionnel, il est bien, pour être très, très pragmatique, il est bien relevé et puis pris d'avance dans l'accompagnement qu'on aura. Donc c'est bien des choses qui seront faites, mais qui étaient présentées dans le dossier en option et qui nous ont, en l'occurrence, qui nous ont séduits. Pour dire quand même, de façon générale, qu'on avait une trentaine de candidats, ce qui nous a semblé quand même un petit peu, enfin, très important en termes de volume, et qu'on avait en plus... qui étaient tous de très grandes qualités. Je tiens à le dire parce que quand même, on a passé une journée à essayer de se démêler de lequel sera le bon candidat, indépendamment des critères très techniques ou de prix, par exemple, qui sont pondérés et qui sont eux, on va dire, extrêmement factuels. Il y a un côté objectif subjectif à ce choix-là, qui est de voir si l'explication, si le débat qui a lieu avec les cabinets d'architecture, en l'occurrence, ou les groupements qui s'était fait aller nous séduire, nous, en tant qu'élus en charge du développement de la ville, de comment on voyait les choses, etc. Donc c'est un groupe qui, pour ne pas parler, alors tout le monde avait des qualités,
Donc, pour parler des qualités de ce groupe-là, il avait l'air il dégageait une vraie force de cohésion, donc une vraie manifeste qualité de groupe, une envie d'intégrer la notion de démocratie participative, et c'était un choix délibéré en interne à tous, et pas de le déléguer à quelqu'un d'autre. Alors, à quelqu'un qui est un professionnel de la démocratie participative. Donc, le petit risque, c'est de se dire que ce n'est pas des professionnels de la démocratie participative qui prennent ça, mais des gens qui veulent intégrer les compétences en interne. L'avantage, c'est qu'on est sûr qu'ils ont à le porter eux-mêmes. Et quand ils font un chantier, c'est les mêmes qui feront les préconisations de plans ou d'architecture ou de point de vue qui vont débattre avec les habitants. Et ce n'est pas... la démocratie participative, là, du coup, n'est pas un intermédiaire entre l'architecte et la population. Donc, c'est, bon, voilà. Donc c'est ce choix-là qu'on a fait. Et puis, leur vue, globalement, voilà, on avait quelque chose qui n'était pas déjà écrit, mais bien qui était en volonté de... ils ont dit ce qu'ils pensaient de l'endroit, des potentialités comme ça, mais ils n'ont pas dessiné un plan, ce que des fois, on a eu dans d'autres cabinets d'études qui avaient quasiment déjà un plan pour nous, alors qu'on ne veut pas que le plan soit écrit par avance, on veut qu'il nous soit amené et que la réflexion collective nous amène à un plan pour ce quartier de gare. Donc ils ont un peu coché toutes les cases de ce point de vue-là, plus d'autres hein, certainement, mais ils ont coché beaucoup de cases qui ont fait qu'ils nous ont bien plu. Après, il y a le critère prix qui est rentré en compte, tous les phénomènes de pondération qui nous ont fait les choisir. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait beaucoup de très grands professionnels autour de la table de cette journée de choix. Voilà juste ce que je voulais rajouter, Maurice, par rapport à ça. C'est important parce que c'est, il faut être clair, c'est un sujet, on n'en fera pas deux. Hein. Déjà, on n'a qu'une gare, qu'un seul quartier. Et vu les volumes engagés, les 120 000 euros de départ, là, 116 plus 26,290. Bon, voilà, c'est plus ou moins 10%, ça ne vaut rien à côté de tout ce qui sera investi sur cette zone-là pendant les 10 années à venir. Donc, l'enjeu n'était pas tant sur le prix du départ que sur la qualité, la confiance ou l'envie qu'on avait de travailler avec ces quatre jeunes hommes-là qui allaient venir avec nous pendant 10 ans, nous accompagner dans le projet. Voilà ce que je voulais vous dire sur le projet. S'il y a d'autres questions, c'est maintenant. Sinon, nous passerons au vote. Donc, merci Joël. Donc, je vous propose cette première délibération au vote après... avoir vu le contexte, les enjeux et la mise en œuvre de ce projet d'aménagement. Pardon. Il y a Isabelle qui demande la parole avant le vote, apparemment. Non, mais je ne sais pas si c'est le bon moment, mais on ne doit pas nommer les titulaires, là, on les nomme qu'en lisant le... Il y a une deuxième partie. D'accord. Il y a une autre après, c'est après que ça va se passer. D'accord. C'est la première, là, c'est pour l'aménagement, et après, il y a pour le comité de pilotage. D'accord. Pardon. Il n'y a pas de mal. Oui, donc je répète, donc je vous propose cette délibération donc, au vote après avoir l'exposé relatant le contexte, les enjeux et la mise en œuvre, qui je relate les considérants, donc les différentes commissions d'appel d'offres, jusqu'à donc, maintenant. Alors, cette délibération aura pour objet de prendre acte de l'attribution de l'accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine mono-attributaire pour la requalification urbaine du site de la gare au groupe représenté par la société TICA. Autoriser la SEM LMA, mandataire de la commune, à signer le convention d'accord cadre que nous avons vu tout à l'heure et conférer tout pouvoir à la SEM LMA pour mettre en œuvre toutes les formalités légales nécessaires à la conclusion de cet accord cadre tel que prévu dans notre convention signée le 10 mars 2020. Alors, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Deux choses. Le vote, tu l'as dit comme ça, tu as bien fait Maurice, il faut aller voter sur son outil informatique. Donc on baisse son écran, on va voter et on revient. Juste un point en plus de ça. Un point supplémentaire, et parce qu'il faut faire œuvre de pédagogie quand on est en direct sur une chaîne YouTube, la SEM LMA, c'est une société d'économie mixte, donc c'est une société qui est portée par des collectivités mayennaises et qui aide les collectivités de plus petite taille, donc les communes, à porter des gros projets immobiliers. C'est entre autres grâce à cette SEM LMA, cette société d'économie mixte, que l'on a construit des pôles de santé pluridisciplinaires, des gendarmeries ou des bâtiments industriels
ou économique sur la Mayenne. On a un exemple à Évron qui est la zone pelletée. Voilà, je fais l'effort de pédagogie puisque c'est des termes un peu inconnus du grand public forcément. Merci Maurice pour ce premier vote. Donc vous allez le réaliser et tu nous expliques la suite avec le comité de pilotage. Excuse-moi, j'ai perdu mon écran. Ah. Alors attends. Nous allons le retrouver. Pendant ce temps-là, je vais voter. Allez voter le temps que Maurice retrouve l'écran. Alors, je reviens. Alors, je ferme. Ah, excusez-moi, ça demande du temps. Excusez-moi, j'ai fait une manipulation. Ah, ça y est, j'y suis. C'est bon. J'ai voté. C'est bon, Maurice? Oui, alors je reprends. Alors, le deuxième. Alors, attendez que je revienne. Donc, le deuxième point, c'est la nécessité de la mise en place du comité de pilotage. Alors, le deuxième point, c'est la délibération autorisant la signature. OK. Donc, de nommer pour le comité de pilotage les membres titulaires de ce comité de pilotage. Donc, on avait déjà donné des noms. Donc, en ce qui concerne les membres titulaires, on avait donc nommé Isabelle Duterte, Adélaïde Dejardin, Maurice Suard et Claude Langevin. Alors, il y aurait moi-même. Et pour la... Il y aurait moi-même et M. Quintard au développement territorial de la communauté de communes. Et on aurait un membre de plus, puisque là, on a vu ça avec la directive de l'administration générale. On aurait 5 membres plus moi-même, plus M. Quintard potentiellement. Donc je pense que ce serait peut-être... On s'était posé la question de Frédéric Fanouillet par rapport au fait qu'il était à la fois à la CAO et à la fois à la démocratie participative, qui pourrait être titulaire dans ce cadre-là. De la commission en plus, du copil en plus. Comme ça, il y aurait M. Ballandreau, 5 membres, et M. Quintard, et il nous faudrait à nouveau 5 membres suppléants, et on aurait M. Ravet pour la comité de communes. Donc, dans les membres suppléants, Maurice, est-ce que tu en avais noté d'autres d'avance? Maurice a disparu. Maurice se cache. Excusez-moi, je suis là. Je t'en prie. Il y a eu un problème de... Alors, je répète, pour les suppléants, donc il y avait Fabrice Métairy, Nathalie Rousseau, Christophe Noulez, Jean-Pierre Marot. Donc, il n'en manque que un. Donc, il nous faut trouver un membre... Sophie, on l'avait nommé nulle part? Sophie, ce n'était pas la communauté commune. La 3C. Non. Non, justement, eh ben, justement, parce que sur la 3C, c'est monsieur Quintard et M. Ravet, au titre du développement territorial, et il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Donc peut-être qu'il serait prudent de nommer Sophie dans les suppléants de suite, comme ça on est sûr qu'elle y est, si ça va bien à Sophie. On s'était posé la question, mais tu n'étais pas là à cette réunion-là, Sophie, quand on se l'était posé. Est-ce que ça te va? Puisque ton avis sur la gare est toujours très éclairant, Madame Sophie Le Chagatel, dont on n'entend pas le micro. Oui, évidemment, en tant qu'utilisatrice du train, je suis très intéressée. Voilà, c'est ce dont on se doutait. Ouais, parce qu'en fait, sur le quai de la gare, avec les usagers récurrents, il y a plein de choses qui circulent comme demandes et comme remarques. Ok, on est d'accord, on a tous les noms. Eh bien, c'est parti. C'est cette liste-là qu'on vous demande de vouloir valider, sauf s'il y avait d'autres candidats. Mais ce serait pas mal qu'on se mette d'accord comme ça. Il y a d'autres candidats? Non? Allez. Donc, on passe au vote? Yes. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je remercie. Alors,
Alors, la délibération suivante, elle se joue entre toi et Madame Desjardins. La dernière fois, vous l'aviez présentée à deux voix. C'est Delaïde qui va la présenter, parce qu'elle connaît mieux le sujet que moi. Bien sûr. Je lui laisse la primeur, si je peux dire. Madame la primeur, Madame Desjardins, on vous laisse la parole. Merci. Donc, il s'agit de donner un avis sur l'enquête publique relative à la demande du syndicat de bassin de la Jouanne, agglomération de Laval, Vicoin et Ouette, le JAVO, en vue d'obtenir une déclaration d'intérêt général et une autorisation environnementale pour la réalisation de travaux dans le cadre du contrat territorial milieu aquatique. Là, pour pouvoir expliquer le contexte, donc le JAVO, c'est la fusion des syndicats de bassin précédents. Et ces syndicats de bassin, leur raison d'être, c'est d'effectuer des travaux sur les rivières pour restaurer l'état hydromorphologique des rivières. Et la plupart de ces travaux sont effectués chez les particuliers. Donc, lorsqu'on fait des travaux avec de l'argent public chez des particuliers, on a besoin d'une déclaration d'intérêt général. D'où cette enquête publique. Donc je vais vous relire la déclaration d'intérêt général. C'est un énorme catalogue de à peu près 1000 actions. Donc ils expliquent là dans la délibération comment ils ont ciblé leurs actions. Donc, je vais directement aux enjeux. Les nombreuses actions préconisées dans ce programme visent à améliorer la qualité des cours d'eau pour tendre vers le bon état hydromorphologique notamment. Les actions ont été définies par compartiment fonctionnel du cours d'eau. Donc, on nous explique que c'est essentiellement sur le lit mineur, amélioration de l'état des berges de la répulsive, action d'amélioration de l'état des annexes et du lit majeur, action d'amélioration de la continuité et de la ligne d'eau. Voilà. Donc, en fait, tous ces travaux vont être subventionnés essentiellement par l'Agence de l'eau. Et pour pouvoir obtenir ces subventions, les syndicats de bassin ont l'obligation de faire des contrats de 6 ans. C'est les fameux contrats territoriaux milieu aquatique. Donc là, on nous propose dans tout ce dossier un contrat de 4 449 000 euros de travaux pour la période 2021-2026. Alors, c'est plein de travaux qui sont réalisés chez des particuliers. L'enquête publique a eu lieu, la permanence du commissaire enquêteur a eu lieu, y compris à Évron. Donc, il y a eu plusieurs remarques. En fait, c'est souvent des particuliers. Bizarrement, en fait, il y a tellement d'actions sur une liste, tellement longue d'actions, que les propriétaires ne sont même pas au courant que leur moulin ou leur barrage va figurer dans le dossier d'intérêt général. Donc, il y a des particuliers qui sont un peu surpris. Et donc, dans cette enquête publique, ce qui ressort, c'est surtout des particuliers qui s'étonnent de voir des travaux proposés sur leur barrage. Il faut savoir, c'est ce qui est dit dans la délibération, que de toute façon, les syndicats de bassin ne font jamais de travaux sans convention signée avec les propriétaires et donc sans l'accord des propriétaires. Voilà. C'est ce contrat à 4 449 000 là, sur 6 ans. Ce n'est pas engageant pour le syndicat de bassin, c'est-à-dire que voilà, on essaie de contractualiser avec les financeurs pour savoir combien on va dépenser sur les 6 ans. Et en l'occurrence, le travaux a des soucis un peu de finances. Si le syndicat a envie de faire moins, on peut réajuster moins. Et si vous vous posez la question, parce qu'on a notre projet de zone humide ou de zone verte 2, en fait, les zones humides, il y a un montant qui est contractualisé sur les 6 ans avec l'Agence de l'eau, mais par contre, contrairement aux actions de continuité écologique ou de renaturation de ruisseaux, elles n'ont pas été fléchées dans cet énorme catalogue. Donc, en fait, on ne sait pas quelles zones humides pourront être aménagées par ce contrat. Et voilà. Ça veut dire qu'on peut toujours candidater sans problème pour une autre zone verte 2. Je vous propose de donner un avis favorable pour cette enquête publique. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. Alors, je ferai la remarque qu'a écrit Sophie tout de suite, qui était de dire qu'elle a... Elle a téléchargé le reportage qui a été publié sur, enfin, qui a été oui publié, qui a été émis sur France 2 il y a ça 2 jours un matin tôt, qui donnait une action, enfin qui disait dans quel état d'esprit ça se faisait. Donc le syndicat, c'était sur la Jouanne, je crois, hein, qui a eu l'honneur de la, c'était Monsieur Boileau en tout cas, c'est sûr. C'était sur le Vicoin. Sur le Vicoin, voilà. Genet-Saint-Île, magnifique mairie tenue par une magnifique maire. Donc c'était très apparemment pédagogique. On va essayer peut-être de la voir. En tout cas, nous on l'a téléchargé, Sophie, là, donc à disposition de qui veut voir à quoi servent certaines passes à poissons, et certaines sont filmées, même certains poissons sont filmés à la remontée, ce qui est forcément passionnant et très calmant, j'imagine, très relaxant. Effectivement, chaque cas est particulier, et en fait il y a
plein d'outils techniques pour adapter chaque cas en fonction de s'il y a un bras alimenté en eau ou pas, voilà, si le propriétaire veut garder de l'eau dans son lièvre. Voilà. Il y a des moyens quand même d'avoir de la continuité écologique tout en ayant de l'eau dans les deux bras. En moyenne, il faut à peu près 10 ans pour arriver à un aménagement. Voilà, quand le propriétaire, au départ, ne veut pas entendre parler, ben, finalement, il y vient progressivement pendant une petite dizaine d'années. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cette enquête publique ? Voilà, donc la seule chose qui est rassurante, c'est que par rapport aux personnes qui ont mis des commentaires sur la permanence du commissaire enquêteur, il n'y aura de toute façon pas de travaux réalisés sans l'accord des propriétaires. Ok. Et donc, au vote, qui vote contre, qui s'abstient ? Merci. Donc, je vous invite donc à aller voter sur le petit logiciel qui nous permet d'enregistrer les votes de chacun et de les enregistrer, puisque, que je répète, les votes sont nominatifs. Je signale, comme ça laisse à chacun le temps d'essayer d'aller voter, que, alors déjà, on retiendra, et je le redis, un peu de temps derrière pour finir de voter. Si certains ont des problématiques sur la procédure de vote, on aura un petit peu de temps en fin de séance pour permettre cela. Et je salue la présence de M. Alain Fortin, que nous n'avons tout à l'heure pas pu nommer, puisque tu n'avais pas pu prendre la parole, mais je note que tu es là, on est d'accord, alors qu'à l'appel, tu manquais, mais que ce soit transparent pour tout le monde, Alain Fortin est bien là. Nous en sommes rendus compte, Alain. Troisième délibération, elle concerne M. Claude Langevin, qui nous va parler de délégation de service public pour le réseau de chaleur bois. Voilà. Bon, délégation du service public réseau de chaleur alimenté majoritairement par de la biomasse sous la forme d'une concession de délégation du service public, le rapport annuel d'activité du délégataire relative à la gestion et à l'exploitation du service public de production et de distribution de chaleur, période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par contrat de concession signé en date du 20 mars 2014 et notifié le 9 avril 2014, la seule commune d'Evron a confié à la société Nazin Wind Bois Énergie la gestion et l'exploitation du service public de production et de distribution de chaleur sur son territoire. Dans le cadre de l'avenant numéro 1 au contrat de concession pour la délégation du service public, la société Résilia s'est substituée à la société Nazin Wind Bois Énergie. Je vous fais grâce des autres avenants. Nous passons à l'avenant numéro 6. Un avenant numéro 6 portant sur une régularisation du contrat de convention eu égard aux modifications rappelées ci-après. La sous-station supplémentaire numéro 21 dédiée à la fourniture de chaleur de la salle multisport boulevard Henri Rossignol 53-600 Évron, propriété de la ville d'Évron, a été raccordée au réseau de chaleur, entraînant la signature d'une police d'abonnement le 6 mars 2019 et un avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public par l'ajout d'une antenne réseau d'un linéaire de 113 mètres. L'autorité délégante a sollicité une diminution de la valeur de la puissance souscrite des sous-stations numéro 10, Centre social, le Trait d'Union et numéro 15, École Jean Monnet. Compte tenu du fait que la formule de révision des prix du gaz ne reflétait pas l'impact réel des variations de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, le concessionnaire a sollicité une modification de cette formule. Par ailleurs, un avenant numéro 1 à la convention d'occupation du domaine public a également été signé le 4-02-2020 afin d'intégrer l'extension du réseau dédié au raccordement de la sous-station supplémentaire numéro 21 concernant à la fourniture de chaleur de la salle multisport boulevard Henri Rossignol. Les enjeux. Le rapport annuel du délégataire permet à la collectivité de disposer des informations relatives à la gestion du réseau chaleur bois énergie d'année en année. À travers ses différentes composantes techniques, économiques et environnementales, ce rapport présenté à l'ensemble des abonnés permet d'obtenir annuellement une photographie de la performance du service rendu. Voilà, y a-t-il des questions ? Il faut savoir que le pourcentage de biomasse est de 83% et que... Bon, on a une possibilité de production supplémentaire de 20%, ce qui peut être envisagé pour la création, par exemple, avec la nouvelle gendarmerie. Voilà. Y a-t-il des questions ? Non, moi... Ouais,
J'ai toujours un commentaire à faire, forcément. Dire que ça, ça se passe, c'est un phénomène stabilisé. Je te passe la parole après, Frédéric, j'ai bien vu. Que cette gestion du réseau Chaleur-Bois, après des habitudes à prendre par rapport aux utilisateurs, voilà, chacun s'est à peu près calé. On n'utilise pas un réseau bois, un réseau chaleur, pardon, comme on utilise une chaudière gaz, puisque c'était essentiellement ça qui a été remplacé par ce bois-là. Donc voilà, tout le monde s'inscrit dans un schéma de durabilité et puis dans un meilleur contrôle, on va dire, de sa consommation. L'idéal étant plutôt de ne pas consommer plutôt que de consommer moins cher ou différemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui commence à bien fonctionner. Frédéric voulait prendre la parole. Oui, j'avais une question. Au niveau des abonnés, ça concerne quel secteur, quel client sur Évron et Coévron, s'il vous plaît. Merci. Le Bello Pépin, l'EHPAD, et surtout Mayan Habitat. Et puis le Bois Joli, ainsi de suite, et la communauté Saint-Martin, ainsi que les ensembles des écoles d'Évron. Voilà. Merci. Donc il y a en plus les HLM, la cité scolaire avec à la fois la région et le département qui sont engagés là-dessus. Donc les HLM Mayan Habitat mais que certaines barres. Et puis le nouveau gymnase qui a été branché en même temps. Voilà, donc il y avait au départ 21 sites ou 21, oui c'est une vingtaine de sites. Voilà, et c'est dimensionné pour ça, donc on n'en aura jamais beaucoup plus. Par contre, il peut y avoir des mouvements entre les uns et les autres et surtout, comme l'air du temps est plutôt à la réduction de consommation en même temps qu'à la modification de la nature de l'énergie, c'est aussi à la baisse de la consommation en général qu'on veut aboutir. Parce que c'est bien ça, l'enjeu écologique, il est là. Hein. Il n'est pas qu'à changer la source. Et donc, comme c'est un réseau qui pour être efficace a besoin d'un volume constant, il y a aussi la piscine. On a oublié le jardin aquatique, forcément, qui est un très gros consommateur d'énergie et qui consomme, lui, toute l'année. Donc un des enjeux pour le faire vivre, c'est à la fois de bien faire en sorte qu'il fonctionne bien en termes d'efficacité, donc de fuite réseau et après de transformation en chaleur dans les bâtiments, parce que c'est ça qui est efficace, mais aussi que le niveau de consommation globale reste le même, enfin le niveau de production reste le même, quitte à intégrer des nouveaux bâtiments quand chaque bâtiment consommera moins. Voilà, c'est des équilibres à trouver qui sont importants et sur lesquels on travaille avec le délégataire, donc c'est comme ça que ça se fait, quoi. Et pour ça, il faut qu'on soit à distance. Donc, il y a une opportunité qui est la nouvelle gendarmerie, enfin la future gendarmerie, et une deuxième opportunité qui pourrait être, mais qui est plus lointaine et qui n'est pas étudiée techniquement dans le détail encore, c'est éventuellement quand la communauté de communes fera la rénovation énergétique. Il faudra bien qu'elle vienne un jour, celle-là, du pôle culturel. Puisque là, on est en termes de réseau, on est vraiment très très proche. Pour autant, les besoins sont peut-être moindres, c'est tellement proche que ça peut être rentable. Il faut à chaque fois qu'il y ait une rentabilité économique. Hein. Il ne s'agit pas de faire pour faire, il s'agit de faire pour être efficace. Donc, aussi. Voilà. Le vote se fait à nouveau par le petit. Oui, pour voter, oui. C'est ça. Vu les observations apportées, alors je demande qui c'est qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Alors. Hop. Ensuite, je. Excusez-moi, j'ai bloqué mon micro. Je donne la parole à Madame Adélaïde Dejardin pour nous parler du règlement intérieur du Conseil municipal. Merci. Donc, on peut directement ouvrir la pièce jointe, la pièce en annexe. Donc, le règlement intérieur du Conseil municipal d'Évron. Alors, comme on est une commune de plus de 1000 habitants, la délibération du règlement intérieur du Conseil municipal est obligatoire à chaque début de mandat. Ce règlement intérieur contient des règles propre de fonctionnement interne dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc, ça veut dire que dans ce règlement intérieur, il y a à la fois des dispositions légales, législatives et puis des dispositions qui sont propres à notre commune. Au chapitre 1, dispositions obligatoires du règlement intérieur, on a la consultation des projets de contrat de service public. Donc on nous explique les horaires d'ouverture de la mairie pour venir consulter les éventuels projets de contrat de service. À l'article 2, les questions orales qui sont posées par les conseillers municipaux en cours de séance, simplement que lors de cette séance, le maire ou l'adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Et si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées ou d'y apporter une réponse lors de la séance suivante du conseil municipal. À l'article 3, on parle de l'expression de la minorité dans le bulletin d'information municipale, donc ça ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas d'opposition. À l'article 4, débat sur les orientations budgétaires, donc c'est ce qu'on va faire au prochain conseil municipal. Le débat a lieu dans un délai de 2 mois avant l'examen du budget, lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors d'une séance réservée à cet effet. Il sera acté par une délibération spécifique qui relèvera le vote. Au chapitre 2, commissions et comités consultatifs. Article 5, les commissions municipales. Les commissions permanentes sont les suivantes. Donc c'est celles qu'on avait décidées pour Évron. Performance publique, développement territorial et cadre de vie, jeunesse et vie locale, travaux et voirie, culture, patrimoine et tourisme, communication, cohésion sociale, sport et vie associative. Un rapporteur est désigné pour chaque commission, qui sont en l'occurrence les adjoints. Chaque adjoint est invité aux réunions des commissions. Chaque conseiller aura la faculté d'assister en sa qualité d'auditeur aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre, après en avoir informé son président par mail ou téléphone, et ce, 2 jours au moins avant la réunion. Le circulaire sera apporté sur le calendrier afin que 2 commissions ne soient pas organisées en même temps. La commission se réunit sur convocation du maire ou de l'adjoint en charge de la commission. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. Les commissions peuvent se réunir en visioconférence, on l'a vu ces dernières semaines. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée à chaque membre par voie électronique à l'adresse communiquée au moins 2 jours avant la tenue de la réunion. Les commissions statuent à la majorité des membres présents. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Néanmoins, le DGS de la commune ou son représentant et le responsable administratif ou technique du ou des dossiers mis à l'ordre du jour peuvent assister de plein droit aux séances des commissions. Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Le secrétariat est assuré par un des membres. Un compte rendu sera établi pour diffusion auprès du conseil municipal. Celui-ci est à la disposition des conseillers municipaux sur intranet sur mycoevron.fr. Article 6, comité consultatif. Donc ça, c'est le cas, par exemple, du conseil des sages, où la composition des modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. Et les avis émis par ces comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. Au chapitre 3, réunion du conseil municipal, article 7, périodicité des séances. Le principe d'une réunion mensuelle, sauf cas exceptionnel, est retenu selon un calendrier fixé en début d'année civile. Article 8, convocation. La convocation et la note explicative de synthèse sont transmises par voie dématérialisée, sauf pour ceux qui le voudraient en courrier. Les conseillers municipaux accusent réception de la convocation adressée par voie dématérialisée. Donc ça, c'est important pour s'assurer de bien avoir le quorum. Article 9, ordre du jour. Le maire fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie d'affichage et subsidiairement par voie électronique sur le site internet de la commune. Article 10, accès aux dossiers. Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers à la mairie sur les heures d'ouverture. Article 11, questions écrites. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale. Le maire apporte une réponse dans un délai de 15 jours maximum. Chapitre 4, tenue des séances du conseil municipal. Article 12, pouvoir. Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier, par mail ou signalés sur idées libres. Je pense que ce n'est pas encore possible, mais ça va le devenir. Avant la séance du conseil municipal, ils peuvent être mis au maire en début de séance. Article 13, secrétariat de séance. Le secrétaire de séance, qui est un élu, assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes ou du bon déroulement des scrutins. Article 14, accès et tenue du public. Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale mutualisée ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence pendant toute la durée de la séance. Toutes remarques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Assistent aux séances du conseil municipal différents agents en cas de besoin. Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent soumis à une obligation de réserve.
Article 15, enregistrement des débats. Les séances peuvent être retransmises par un moyen de communication audiovisuel, comme ce soir. Tout enregistrement de la séance fait l'objet d'une information par son auteur auprès des membres du conseil municipal. Article 16, police de l'Assemblée. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Les téléphones portables doivent être mis sur silencieux. Le public admis ne pourra pénétrer dans la salle avec de la nourriture, des boissons ou des animaux. Chapitre 5, débat et vote des délibérations. Article 17, déroulement de la séance. Donc le maire préside le conseil municipal. Dès lors, il en organise le bon déroulé. Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus, il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des questions diverses si nécessaire. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent. Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, en général en fin de séance. Article 18, débat ordinaire. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du maire. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Et puis lorsque ça dérape, le maire peut faire cesser les interruptions. Article 19, suspension de séance. Donc la suspension de séance est décidée par le président de séance, le maire ou son remplaçant. Article 20, amendement. Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal. Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. Article 21, référendum local. Lorsque le conseil municipal est saisi d'un projet à soumettre à référendum local, il s'engage à l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance. Article 22, vote. Le mode de votation ordinaire et le vote à main levée. Si un membre du conseil municipal est personnellement concerné par une délibération, il doit quitter la salle. Article 23, clôture de toute discussion. La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal à la demande du président de séance ou d'un membre du conseil. Chapitre 6, compte rendu des débats et des décisions. Article 24, compte rendu. Dans un délai d'une semaine, les délibérations du conseil municipal sont affichées à la mairie sur le tableau d'affichage extérieur et consultables dans le hall d'accueil de la mairie. Article 25, procès-verbaux. La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Chapitre 7, dispositions diverses. Article 26, modification du règlement. Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un conseiller municipal et application du règlement intérieur. Le présent règlement est applicable au conseil municipal à compter d'aujourd'hui si on délibère pour ça. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce règlement intérieur? Oui, j'ai une remarque forcément. La première remarque, c'est de dire que ces règlements se heurtent à la pratique d'aujourd'hui, puisqu'on écrit un règlement qui concerne tous les conseils municipaux. On est dans un cadre légal, hein, puisqu'on n'écrit pas le règlement qu'on veut. Hein, dans le cadre du conseil municipal, il est régi par le Code général des collectivités territoriales, très certainement, et par ses différents articles. Mais voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, tu as dit un certain nombre de choses qui ne correspondent pas forcément exactement à ce qu'on pourrait faire si on était là aujourd'hui. Parce que comme par exemple on dit, il y a une question sur on doit quitter la salle quand on est concerné par, bon ben quand on est chez soi on ne quitte pas la salle. On a dit aussi un mot sur le fait de la prise de parole du public. On est en direct sur une chaîne YouTube qui a un chat. Et donc on l'a constaté tout à l'heure puisqu'on suit un peu ça en même temps. Il y a déjà une interpellation du public qui l'a fait. Donc c'est des choses qu'il faut forcément adapter aux outils d'aujourd'hui. Et on ne peut pas répondre à l'interpellation du public, même par voie de chat ou de YouTube, ou etc., etc.
on est en conseil municipal. Et pour le dire, pour les concitoyens qui réagiraient sur YouTube dans le moment, pourquoi c'est fait ? C'est pour que le conseil municipal puisse délibérer en toute sérénité, hors de la pression populaire. Parce que le lieu du conseil est un lieu qui s'extrait de la pression populaire, et même de qu'elle soit justifiée ou pas sur tel ou tel domaine, d'ailleurs que les conseillers soient d'accord ou pas avec ce qui va se dire, ils ne peuvent pas le faire sous la pression populaire, même s'ils le font au nom du peuple, voilà, en tout cas au nom des habitants d'Evron. J'aime pas beaucoup de dire au nom du peuple, c'est quand même compliqué, mais en tout cas on le fait pour les habitants d'Evron et en leur nom quand on a été élu. Mais c'est un enjeu important, hein, puisque là on l'a vu, on l'a vécu tout de suite là il y a 5 minutes. Voilà, on dit quelque chose et puis quelqu'un met quelque chose au débat. Est-ce qu'il fait pression, pas pression, est-ce qu'il parle? Normalement, on ne doit pas en avoir connaissance puisque personne n'a le droit de s'adresser à nous pendant qu'on délibère pendant un conseil municipal. Sinon, ils pourraient nous mettre la pression. Là, ce n'était pas le cas du tout, hein, en l'occurrence. Hein, je ne parle pas pour le dialogue qui a peut-être eu lieu, puisque j'ai vu juste un mot au départ. Mais voilà, on voit bien que ces règlements se heurtent à la réalité du moment, réalité qui peut-être durer, parce que même si là, on est dans un moment où on aurait pu aussi se mettre en présentiel légalement, on avait le droit de se mettre en distanciel et c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus exemplaire dans le moment. Mais voilà, mais ça peut durer et ça peut durer peut-être 6 mois. On n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. Et dans ce cadre-là, il faudra voilà qu'on le remettra pas dans le cadre du règlement intérieur puisque on n'est pas dans le cadre du code général des collectivités territoriales, mais on est bien dans un usage qui est un peu décalé par rapport à ce qu'on vient de dire à ce moment-là. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais relever. Mais sinon, ton règlement intérieur me va très très bien, bien sûr. Il y a d'autres remarques ou questions? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Merci. Merci. Alors, j'avais débranché mon micro. Merci Adèle. Le sujet suivant me vient. C'est un ajout à l'ordre du jour qu'on vous a effectué et mis sur Idélibre. Il concerne le conseil de surveillance de l'hôpital d'Evron et pour la désignation de son représentant. Donc nous avions désigné un représentant de la municipalité au sein du conseil de surveillance de l'hôpital et nous avions désigné Madame Blandine Verdier-Carquette le 8 juin dernier. En fait, à ce moment-là, on pensait que le maire était, moi le premier d'ailleurs, était membre de droit de ce conseil de surveillance. Or, ce n'est le cas que pour les conseils de surveillance qui ont au moins 15 membres du conseil de surveillance. Là, comme à Évron, ce n'est pas le cas, on est sur un collège à 9. En désignant Madame Blandine Verdier-Carquette, nous sortions le maire de son fauteuil au conseil de surveillance de l'hôpital. Alors, dans le moment, ça existe, hein, il y a des mairies ou des hôpitaux où le maire ne siège pas au conseil de surveillance. C'est quand même plutôt rare. En moyenne, les maires siègent plutôt au conseil de surveillance de l'hôpital. Dans le moment, je n'ai pas du tout envie de laisser quelqu'un d'autre que moi aller au conseil de surveillance de l'hôpital. Ce n'est pas le moment de marquer autre chose en termes de proximité à l'hôpital et à ce qui s'y passe. Donc j'en ai discuté avec Blandine et je postule au poste que je ne pensais pas avoir quitté, pour être très clair. Et donc je propose de modifier la délibération. Donc on fait un annule et remplace pour me proposer d'être au conseil de surveillance, sachant que traditionnellement, l'adjointe à la solidarité est au conseil de vie sociale de l'hôpital. Donc ce qui sera le cas de Blandine, pour suivre l'actualité de l'hôpital aussi, parce qu'il y a quand même cet intérêt pour l'adjointe à la solidarité et à tout ce qui est sanitaire d'être présent dans l'hôpital. Donc le rôle considéré parti depuis plusieurs mandats, hein, c'est tous les maires d'Evron ont fait ça, le maire au conseil de surveillance, un adjoint au conseil de vie sociale, et ça permet d'être dans les deux instances. Pour information, mais vous le savez, les élus, peut-être moins le public, le maire souvent préside en plus le conseil de surveillance de l'hôpital, ce qui serait mon cas. On n'y a plus beaucoup de pouvoir, hein, contrairement à une époque, faut pas se leurrer. Les prérogatives des directeurs sont extrêmement importantes, mais la proximité permet, en particulier en situation de crise comme aujourd'hui, de faire remonter les problématiques, d'avoir un dialogue constant. Vous vous doutez bien que j'ai souvent en ce moment Madame la directrice au téléphone, tôt le matin ou tard le dimanche soir, pour se donner des nouvelles de l'évolution de la crise sanitaire au sein de nos collectivités, enfin au sein des Coëvrons. Et donc la situation forcément est suivie de près. Voilà la proposition qui vous est faite. Est-ce que Madame Blandine Verdier-Carquette est d'accord avec cela? Je suis tout à fait d'accord. Merci Blandine.
Donc je vous laisse, je vous propose de me désigner pour siéger au sein du conseil de surveillance de l'hôpital. Je vous dis que je maintiendrai mon poste à la présidence de ce conseil de surveillance et qu'on modifie la délibération donc du 8 juin dernier. Je vous laisse aller voter, chers amis, avant de revenir à la délibération suivante. Très bien. Hop. Et bien maintenant, je donne la parole à Madame Blandine Verdier-Carcouet, que j'ai chassée du conseil de surveillance. À toi, Blandine. Merci. Convention entre le conseil départemental et la ville d'Évron relative aux interventions et financements du service de prévention spécialisé. Alors, face à la récurrence de troubles, des troubles de la tranquillité publique portés par une population jeune sur certains quartiers de la ville d'Évron en 2019, des élus municipaux ont rencontré les services du conseil départemental ainsi que l'association de prévention spécialisée INALTA afin de construire un plan d'action pouvant répondre aux besoins sociaux repérés auprès de ce public. Visant à prévenir les conduites à risque et la marginalisation de jeunes sur le territoire, les actions de prévention spécialisées soutiennent l'insertion et la promotion sociale. Ces actions s'inscrivent dans la mission de prévention de délinquance assurée par le maire au titre de ses pouvoirs de police, ainsi que dans celle du conseil départemental et de son service d'aide sociale à l'enfance. La mise en œuvre. En application de l'article L132-15 du Code de la sécurité intérieure, une convention entre la commune et le département doit être établie en vue de déployer les actions envisagées. Elle détermine les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation de suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre. La ville d'Évron s'engage aussi à participer au financement du service de prévention spécialisée à hauteur de 15 000 euros pour engager les interventions sur son secteur. Ces crédits ont été votés dans le budget prévisionnel 2020. La convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 1er juin 2020 et pourra être reconduite pour 1 an après évaluation du dispositif. La convention est en annexe de la délibération. Je pars donc du principe que vous en avez pris connaissance. Avez-vous des questions ? Alors, moi j'aurais juste la remarque, comme tu l'as bien dit, on est sur une démarche préventive et non pas répressive, et que par rapport à ce qu'on a vécu dans le déconfinement, où on a vu des troubles, alors le public souvent de petits volumes, hein, souvent de petits d'incivilité marquée, quand on va dire, on le sait, de toute façon il y a des besoins, mais les périodes de confinement ne sont pas propices à l'épanouissement psychologique des êtres humains, et dans le non-épanouissement psychologique des êtres humains, toutes les conséquences peuvent arriver, entre autres pour ceux qui sont déjà un petit peu en marge, des actes de délinquance, on va dire, réitérés et puis aggravés, hein, potentiellement, puisqu'on est un peu, si on se sent laissé à l'abandon. Donc l'idée, c'est là, c'est une démarche préventive. L'idée, c'est de laisser personne à l'abandon dans les rues d'Évron en particulier, et de s'assurer que ceux qui sont un peu et qui ne sont pas des délinquants véritables, c'est bien à cela qu'on s'adresse ici, soit n'y tombent pas et soit considérés, accompagnés, et qu'on ait des choses à dire et à accompagner pour pas basculer dans autre chose. Pour le reste, la prévention, elle marche pas toujours, et on a des policiers municipaux et des gendarmes qui ont leur travail à faire sur l'autre volet de l'action, qui, après la prévention, peut être éventuellement la répression. Donc voilà, on essaye de marcher un petit peu sur deux jambes. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette action-là. Nous allons donc passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Allez. Hop. Ayant moi-même voté, je donne maintenant la parole à M. Christophe Noulès, qui va nous parler d'une convention de coordination entre la police municipale de la ville d'Évron et les forces de sécurité de l'État. À toi, Christophe. Hop.
Bonsoir. Donc, convention de coordination entre la police municipale de la ville d'Évron et les forces de sécurité de l'État. Le contexte. La précédente convention de coordination entre la police municipale d'Évron et les forces de sécurité de l'État, approuvée par délibération en date du 23 mars 2017, est arrivée à terme et il convient de la renouveler. Il convient de préciser que dorénavant, elle est conclue entre le préfet, le maire et le procureur de la République. Les enjeux. Cette convention a pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles les interventions de la police municipale sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État en vertu de l'article L512-6 du Code de la sécurité intérieure, à savoir notamment la répartition des missions de la police municipale et de la gendarmerie ou celles exercées en commun, la périodicité des réunions pour échanger sur les missions visant la tranquillité, la salubrité, l'ordre et la sécurité publique, les moyens de communication et d'équipement de la police municipale, la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Mise en œuvre, cette convention est signée pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction express, mais peut être dénoncée après un préavis de 6 mois par l'une ou de l'autre des parties. Y a-t-il des questions ? Non, moi, juste le point, c'est de dire qu'effectivement, cette coordination, elle fonctionne très bien. On a la chance d'avoir dans le corps de la police municipale, le plus solide d'entre eux d'ailleurs, d'Evron, un ancien gendarme. Donc, il est facile de se coordonner quand on parle le même langage. Et donc, on a la chance d'avoir un policier qui soit un peu gendarme dans l'âme. Donc, cette coordination se fait très bien et les missions sont effectivement... L'importance de la convention, c'est de cadrer les choses. Qu'est-ce qui est du ressort de la gendarmerie ? Qu'est-ce qui est du ressort de la police municipale ? Pour pas se mettre en porte-à-faux. Globalement, Christophe Fouillard et Linda font plus de préventifs, de stationnement forcément, et d'arrêter quant à la voirie et des commissions de sécurité. Et puis les gendarmes sont normalement plus dans la prévention et répression de la délinquance, qu'elle soit routière ou autre. Donc on est sur des faits, sur des choses un petit peu différentes. Et effectivement, moi j'apprécie beaucoup cette répartition des rôles qui nous permet, en tout cas pour notre partie, c'est plus facile d'être en contact du citoyen et en échange quand on est dans le préventif, quasiment en grande partie, on va dire, que quand on a affaire à beaucoup de chiffres de répression, où là on commence plus facilement à couper les ponts du dialogue avec nos concitoyens. Donc là, la police municipale, pour l'instant, est dans cette répartition de rôles avec la gendarmerie, fonctionne bien. Et donc, c'est une convention qui équilibre bien les choses et qui est bien comprise par tous. Et donc, tant mieux. Non, c'est vrai que la gendarmerie et la police municipale s'entendent très bien et ils font du très bon travail ensemble car il y a une super entente entre les deux parties. Ouais. Alors, le gros point d'entente en ce moment, c'est la vidéo surveillance, puisque pour le coup, il s'appelle beaucoup, alors sur surrogation, etc., enfin sur demande officielle de sur procédure, mais le lien, il est aussi très fort là, puisque ces demandes de visionnage de bande permettent d'élucider beaucoup d'affaires et ça maintient le contact entre les enquêtes des uns et les enquêtes des autres, quoi. Donc c'est bien. Eh bien, on va passer au vote maintenant. Qui c'est qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci beaucoup. Hop. Alors, ensuite, c'est Madame Desjardins qui reprend la parole. Il y a quelqu'un qui a levé... Non, il y a une conversation. Allez, vas-y, Adèle. C'est pour délibérer sur un emploi mutualisé entre la communauté de communes d'Écoévron et la ville d'Évron. Création d'un nouveau poste assistant administratif guichet unique mutualisé entre la DGA-CJS et la ville d'Évron. Il s'agit d'un agent de la communauté de communes qui a des problèmes de santé et qui nécessite un reclassement. Elle était adjointe d'animation et elle a bénéficié de son droit à la période de préparation au reclassement pour devenir un agent administratif. Et il se trouve que, donc elle va être, elle est formée à la gestion du guichet unique pour un 24-35e. Et il se trouve que la ville d'Évron avait aussi un besoin de temps sur ce poste-là pour gérer le guichet unique de la ville d'Évron, gérer le logiciel Abellium.
Donc, ce qui est proposé, c'est que cet agent soit mutualisé entre la communauté de communes et la ville d'Évron, c'est-à-dire 75% pour la communauté de communes et 25% pour la ville d'Évron. Donc, on voit l'avantage d'avoir l'employeur unique et quand on a besoin d'un reclassement pour un agent, c'est plus facile de trouver un poste qui lui convient quand on a une plus grande collectivité. C'est le cas ici. Donc, la délibération, en fait, c'est de prendre acte de la création par la communauté de communes d'un poste d'assistant administratif guichet unique à temps non complet 24-35e et valide le principe de mutualisation de cet emploi entre les services enfants jeunesse de la communauté de communes d'Évron et les services scolaires d'Évron, avec une répartition de 75% pour la communauté de communes et 25% pour la commune qui pourra être modifiée en fonction des besoins constatés. Évidemment, la ville d'Évron s'engage à rembourser les sommes relatives à sa part auprès de la communauté de communes d'Éco-Évron par le mécanisme des attributions de compensation. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur cet emploi mutualisé sur le guichet unique? Très bien. On y va pour le vote. Qui vote contre? Il s'abstient. Merci. Je crois que j'ai fait la suivante. Oui. Donc, la délibération suivante, c'est le remboursement de sinistres sur des biens communaux par des personnes privées ou associations. Donc, en fait, on part d'un cas précis qui vient d'arriver ces dernières semaines où un particulier a endommagé le portique anti-encastrement du tunnel de la gare avec un véhicule de location. Ce dernier ne souhaite pas faire appel à l'assurance du véhicule de prêt pour ce sinistre. Et une négociation a eu lieu entre l'auteur du dommage et M. Langevin, maire délégué de Châte-la-Forêt et 4e adjoint de travaux et voirie, en charge de la maintenance et sécurité des bâtiments et voiries. Donc, le remplacement de ce portique s'élève à 2245,34 € hors taxes. Mais compte tenu de la vétusté de l'ancien portique, la négociation validée par M. Langevin et le mise en cause s'élève à 1 000 €. Le mise en cause s'est engagé à régler en une fois lorsque le titre de recette lui sera adressé. Et l'objet de cette délibération, c'est d'avoir une délibération de principe concernant le remboursement en direct par des responsables, personnes privées ou associations de dommages sur des biens communaux, bâtiments ou matériels, après négociation avec l'adjoint en charge du dit bien. Voilà, donc on parle d'un cas précis sur cette histoire de portique anti-encastrement pour avoir une délibération de principe et pour permettre à l'adjoint en travaux de négocier à chaque fois que ce sera nécessaire. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et moi, je crois que j'ai fini. Faut que je reprenne la parole. Oui, effectivement, tu as fini. Juste avant de passer la parole à Maurice, dire que j'ai été repris de volée par Mme Sophie Le Chagatel. La commune d'Évron n'a pas de vidéosurveillance, mais bien une vidéoprotection, car il n'y a pas de visionnage en direct de nos caméras par quiconque à la journée. Donc, chose étant rectifiée par ailleurs, je donne la parole à M. Maurice Suard pour deux points rapides sur le programme de rénovation de façade. Maurice, c'est à toi. Cher M. Suard, votre micro est fermé pour l'instant. C'est bon, excusez-moi. Oui, donc il s'agit de deux délibérations concernant le programme de rénovation des façades du centre-ville. Alors, une décision d'attribution de subvention. Alors, la première concernant M. Barbé, 26 rue de la Fontaine. Donc, M. Barbé a présenté un dossier comme il se doit. Donc, les travaux aujourd'hui sont réalisés. Donc, on peut aujourd'hui lui verser la subvention qui lui a été octroyée d'un montant de 770,96 €. Et la seconde délibération concerne. Donc, le programme de rénovation par M. Michel Play, qui habite rue 6 rue du Général de Gaulle, pour la même cause. Donc, dans ce même programme, donc, ils ont fait leurs travaux. Les factures sont réglées. Donc, maintenant, on peut leur attribuer le montant de leur indemnité pour 1598 €. Donc, nous allons passer. Y a-t-il des remarques, des observations par rapport à ces subventions, ces aides pour ce programme de rénovation? Bien qu'à défaut, donc nous allons passer au vote pour la délibération concernant le 26 rue de la Fontaine pour M. Barbé, d'une part, et d'autre part pour la 6 rue du Général de Gaulle, M. Lemplay.
Voilà. Donc pour moi, c'est fini. Merci, merci Maurice. Mon vote est bien arrivé à destination puisque tout a été validé. Vous devez arriver à avoir voté 11 délibérations à la fin de ce conseil municipal. Deux petits mots. Le premier, pour vous dire que la prochaine séance sera le jeudi 26 novembre 2020, donc la semaine prochaine, puisque celui-ci, ce conseil, les deux conseils sont très rapprochés. Alors, il est court, c'est bien, ça nous a permis de nous entraîner et donc de gommer les quelques imperfections pour la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, le conseil municipal aura lieu dans les mêmes conditions extraordinaires qu'aujourd'hui, et après, on verra. Juste dire un dernier mot, puisque le confinement n'est pas facile, et je ne voulais pas en début, je voulais vous parler d'un autre sujet en début de conseil, mais on a un sujet autour de la crise de Covid là, qui est quand même extrêmement préoccupant à plusieurs titres. Alors c'est très préoccupant du point de vue sanitaire, puisque on a des... aujourd'hui, la Mayenne est très touchée et les Coëvrons sont très touchés, ce qui n'a pas été le cas au mois de mars-avril, en fait. On avait subi un confinement bien plus fort, hein, puis on avait tous arrêté de travailler. Aujourd'hui, on demande à tout le monde d'aller travailler. Pour autant, la situation sanitaire est pour nous bien pire qu'elle n'était il y a au mois de mars-avril, puisqu'en quelques semaines, on va arriver à avoir autant de décès qu'en 3 mois. De mars à juillet, il y a eu 45 décès sur la Mayenne hospitaliers. Là, on est déjà à plus de 80 sur le mois et demi qui vient de s'écouler. On est passé de 45 à 48 à plus de 80 en très peu de temps. Donc, on peut estimer qu'on aura largement passé dans un mois les chiffres qu'on avait mis 3-4 mois à vivre dans la première phase, qui était une phase dure. Hein. Donc c'est une chose. Hein. Pour autant, on sait qu'on doit s'inscrire dans la durée tous. C'est pour ça qu'on fait ce système-là à distance, pour se permettre de durer, c'est-à-dire d'avoir un système résilient. On se réunit, il y a des outils informatiques. Moi, je remercie beaucoup les agents des services techniques et de la communication qui nous ont permis de réaliser cela, parce que c'est quand même pour ça que... Voilà, c'est quand même une petite prouesse, ça ne se fait pas partout, hein. On le voit bien en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se réunissent en présentiel. Ils nous ont permis déjà de le réaliser pour l'Assemblée générale de l'Association des maires de France, pour lequel nous avons fait un témoignage au niveau national, puisque je pense qu'on est les premiers à l'avoir fait comme ça, et une des rares associations de maires départementales à l'avoir fait comme ça, et c'est pourtant une bonne pratique, puisque les cibles du coronavirus correspondent drôlement à la démographie moyenne des maires en France, hein. Puisque ce sont les hommes de plus de 65 ans qui sont touchés majoritairement gravement. Donc, même si tout le monde est touché, rappelons-le. Enfin, dire un mot sur le phénomène économique de cette crise. Au mois de mars, on avait dit que personne ne devait travailler sauf les premières lignes. Et puis maintenant, au mois d'octobre, et parce qu'il faut durer, on dit que tout le monde doit travailler sauf certaines professions. Donc moi, je veux avoir un mot de solidarité vis-à-vis de ces professions qui ne peuvent pas travailler, dont certaines ont fait beaucoup d'efforts, et pour certaines d'entre eux, où l'on sait, et il y a une grosse discussion au niveau national qui va finir de s'alimenter là dans le mois qui vient, en cette période de consommation. Mais on sait que dans les commerces de détail, il n'y a jamais eu de cluster, parce que ce n'est pas un lieu à cluster. Pour autant, dans la crainte du mouvement et de la flambée épidémique, pour l'instant, les décisions gouvernementales ne vont pas dans le sens d'une ouverture, même protocolisée, on va dire, ou même plus drastique encore, des commerces. C'est compliqué parce que c'est pas là que ça s'est passé, les contaminations. Moi, j'enjoins chacun à penser à ses comportements individuels quand il est en famille ou entre amis, ou à l'entreprise, quand les entreprises se rencontrent beaucoup physiquement encore, puisqu'on sait que c'est là que ça se passe. Hein, les enjeux sont là, et dans tous les lieux de collectivité, d'où la grande problématique des EHPAD, qui sont à la fois des lieux de collectivité et des lieux de densité de personnes sensibles. Donc voilà, donc il y a tout ça qu'on a à vivre. Donc vis-à-vis des commerçants, il y a des actions fortes qui sont menées par tous les élus locaux partout pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une ouverture raisonnée parce qu'on n'est pas dans des grands magasins de masse chez nous, dans nos commerces. Et donc on est quelque chose de raisonné et peut-être de ciblé. Donc on œuvre pour ça. Moi, je voulais le dire à nos commerçants puisque c'est important. Il y a une mobilisation qui est faite partout en France là-dessus. Après, quoi qu'il arrive, il faudra être très, très, très raisonnable sur les moments où on se rencontre nombreux. Et on sait que ça arrive partout. Il y avait peut-être des gens qui voulaient réagir à
un mot ou deux. Est-ce que vous aviez des remarques? On n'a malheureusement pas le choix. Si, j'avais quand même une information par rapport à des manifestations à Évron. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il va en rester une, mais il faut savoir qu'elle se fera sous l'angle de la réunion professionnelle. C'est que le festival de la viande, qu'on ne peut pas tout à fait appeler festival, mais qui sera un marché, aura bien lieu le 5 décembre à Évron, dans les mêmes circonstances qu'en septembre. C'est-à-dire que c'est un marché réservé aux professionnels, avec pour seuls autres participants à ce marché que les bouchers et les éleveurs. Et bien, il y aura les bénévoles qui servent à la mise en place de ce marché de Noël, qui sera dans des conditions encore plus serrées en termes d'alimentation, puisque on sait aussi que c'est là que ça se passe autour de la restauration, en termes de restauration que la fois d'avant. Pour vous dire, les jurys auront à manger chez eux au petit déjeuner dans leur chambre d'hôtel, et non pas comme d'habitude à table au restaurant. Et puis il y aura un casse-croûte sur le champ, mais séparé pour chacun. Et donc voilà, donc la journée va malheureusement passer vite, mais au moins on aura assuré là encore le marché pour nos éleveurs producteurs, qui puissent valoriser les bêtes au mieux, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la production agricole globalement se maintient et se valorise, et elle le mérite bien. Voilà ce que je voulais ajouter. J'espère que ça a permis à chacun de voter. Monsieur Goualier nous dira, il y a un technicien à distance qui peut contrôler que tout le monde a pu voter, et donc c'est bien. Voilà, je vous remercie. Est-ce que quelqu'un avait des remarques ou des annonces à faire par rapport à un avenir radieux? L'illumination demain soir d'Evron, c'est pas ça qu'on devait annoncer à 18h30? Fabrice, oui. Oui, tout à fait. Pour remplacer notre moment convivial, vous vous retrouvez tous ensemble sur le parvis de la basilique, ben cette année, ça ne va pas être possible. Donc, on vous organise une petite surprise sur les réseaux. Donc, connectez-vous à 18h30 sur les réseaux pour pouvoir visionner ce qu'on vous a prévu. Il ne fera pas aussi beau que dans ton arrière-plan, Fabrice, mais il n'y aura pas autant de motos non plus. Voilà. Mais voilà, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres remarques, parce qu'effectivement, on n'a pas trop de spectacles à mettre en avant, je vous remercie pour votre participation assidue. Je vous félicite pour votre prise en main de l'outil informatique, et en particulier un remerciement particulier à Alain Fortin pour sa participation multiple, même involontaire des fois. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans les mêmes conditions. Donc voilà. Merci à tous. Bonne soirée.